Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Et puis aujourd'hui, ben je te fais quelque chose de super simple. Pour toutes les filles là, qui aiment ça fêter l'Halloween, mais qui n'aiment pas avoir des maquillages d'Halloween. Tu veux juste avoir un maquillage normal, mais ça tente d'avoir une petite touche d'Halloween, un petit dessin bien simple à faire. On va se faire une toile d'araignée sur le côté de l'œil. Donc ça fait cute, ça fait Halloween, tu peux mettre une petite touche, une perruque. Moi j'ai mis une petite sucre comme ça qui flash. C'est encore mieux quand les lumières sont fermées. Et puis, c'est ça que je vais faire avec toi, mon ami. Il va te falloir un petit crayon liner comme ça. Moi, je le prends en forme crayon. Tu peux l'utiliser aussi en pinceau. Prends-le de la façon que tu veux. Prends le crayon ou le produit qui fait ton affaire, avec lequel tu es le plus à l'aise. Et puis, voilà. Donc, je me prépare et je te reviens. Donc, voilà, je vais prendre mon petit crayon et je vais faire une ligne. Je vais faire un zoom, OK? On va faire les choses comme il faut. Je vais prendre mon crayon, je vais prendre... il faut que j'essaie de faire un petit zoom parce que, comme tu sais, je ne vois pas clair. Donc, je vais me faire une première ligne ici. Donc, je vais en partir une comme ça. Ensuite, j'en pars une autre comme ça ici. Une autre. Et une autre. Bon, l'autre, c'est un petit peu plus difficile à le faire. Donc, je vais arranger le tout, mais je vais faire ça comme ça. J'aurais pu les faire peut-être un peu moins larges. Bon, on va y aller comme ça, moi. Ça me tente de le faire comme ça. On peut le faire de différentes manières. Il y en a qui font tout le contour de l'œil. Et après ça, je vais venir tout simplement, fermer ça ici. Je vais venir faire ça comme ça. Et voilà. Ensuite, je fais la même chose au bord. Comme ça. Je fais la même chose ici. Donc, tu vois, ici, je vais emmener la partir aussi de mon œil. Même si c'est pas full parfait, là, une toile d'araignée, là. Mais voilà. Je trouve ça tout cute comme ça. J'en ai juste rallongé ici. Comme ça. Ensuite, je vais prendre un crayon. Moi, je vais prendre un crayon noir. Je vais aller me chercher un petit crayon noir. Bon, les filles, j'avais filmé, comme souvent. J'ai oublié de peser sur le piton. Mais regarde, ça donne ça. Donc, je te fais un grand zoom. J'ai été rajouter, moi, un petit peu de fard à papier, un peu de noir, puis un peu de gris. Pour faire un peu comme des ombres. Et je vais venir mettre un petit peu de paillettes. Et sous mon œil, je suis venue mettre le même gris et le même noir. Et je suis venue smoker mon eyes. Et puis, je vais venir utiliser des petites paillettes pour mettre sur la petite toile d'araignée. Ça va être cute. Je vais utiliser ceux de Hard Candy. Regarde comme ils sont belles. Et puis, tu sais, pour l'Halloween, c'est top of the top. Je vais utiliser un petit peu le jaune puis l'orange. Fait que je vais mettre un petit peu de... Je vais commencer par le petit orangé. Je viens juste tapoter. Puis regarde, ça pogne quand même bien sur un pinceau comme ça. Ça n'en met pas trop, fait que ça te permet de toi, tu sais, comme le... Même qu'il y en a un peu trop, là, mais on est... Anyways. J'en mets comme ça, là. Je pourrais mettre aussi de la colle à paillettes, mais j'ai pas envie de trop en avoir, donc je vais juste comme... Je vais juste tapoter ça. Je vais mettre aussi les jaunes. Puis je tapote. Moi, je trouve ça beau quand tu mets les petites paillettes comme ça, là. C'est tout mignon, tout cute. T'en as jamais trop. Et en dessous de mon œil, j'en ai mettre du. De l'autre œil, j'en ai mettre juste du argenté, des petites paillettes argentées. Et je vais les mettre juste ici. Juste dans le centre. Comme ça ici. Puis je vais laisser comme. Descendre les paillettes. Tu vois? Regarde comment c'est joli. Ça fait vraiment tout cute. Et je vais en venir emmêler des petites orangées. Pour garder le thème Halloween. Je trouve ça trop beau. C'est trop beau. Et ensuite, je vais en mettre dans le coin externe ici. Je vais en mettre ici. Comme ça. Regarde comment c'est mignon. T'as pas besoin de grand-chose pour
faire de quoi de mignon. J'aurais aimé faire comme une petite araignée, mais je vais aller chercher je vais utiliser autre chose que ça. Je vais utiliser un pinceau comme ça, un en pinceau. Je vais commencer par prendre lui en crayon pour faire comme le corps. Le corps, ça va être comme facile, je vais la faire comme ici. Je fais comme une espèce de gros rond, là. Puis ensuite, avec lui, vu que c'est en forme de pinceau, je vais faire les petites pattes. Bon, mon araignée, elle aura peut-être pas eu de pattes, là. Mais tu vois qu'il y a comme une petite araignée, un petit quelque chose. Je vais essayer de faire comme les pattes plus longues, peut-être. Un genre comme ça. Et juste par-dessus, je vais mettre des petites paillettes. Et voilà. C'est tout cute. Comme ça, les petites imperfections paraissent un peu moins. Hey, j'aime ça. Je sais pas si ça te plaît. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça super choupinou pour Halloween. Ça tente pas d'avoir un look trop travaillé. Donc, voilà. On va aller se mettre un beau rouge à lèvres. Je te reviens. Donc, voilà tout le monde, le look final. J'ai mis un petit rouge à lèvres de NYC. Comme ça, que j'adore trop. Et puis j'ai mis des paillettes argentées par-dessus le rouge à lèvres. Et regarde, j'espère que ça te plaît. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça vraiment mignon. J'aime beaucoup, comme tu peux voir. Tu peux faire des looks faciles. Pas trop maquillés, pas trop compliqués. Puis ça donne quand même un petit look pour Halloween. Donc voilà, je te laisse. Passe un beau Halloween, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye bye. J'adore.